Allô tout le monde! Bonjour! Ça va bien? Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien. Ah non, là, il fait beau. Il fait beau. Il est atteint parce que depuis, je vais vous dire, depuis qu'on est sorti de l'hôpital, ouais. Je crois que je peux compter le temps de soleil qu'on a eu. On n'a vraiment pas eu beaucoup de soleil. On a eu pas mal de vent, beaucoup de pluie. Aujourd'hui, le vent n'est pas très fort, enfin. Ouais. On a été obligé. Moi, j'ai fait des peintures, des tournages pour YouTube, pour les mercredis, puis pour la formation, mais toujours à l'intérieur. C'était impossible d'aller dehors pour peindre. Ah non. Mais c'est pas bien grave. On a des belles photos aussi pour faire ça. Ouais. Et puis voilà. Donc là, on va répondre à vos questions aujourd'hui. Ouais. On a une petite série de questions. Oui, mais on a à peu près, je pense, 12. 12 questions. Ouais. Oui. Mais on s'en va en promenade. On va vous emmener avec nous, promener, ouais. Puis on va vous faire... C'est pas dans la valise, là. On n'est pas dans la valise. Bientôt, par exemple, dans la valise. On va vous faire visiter un petit peu là où on habite au Mexique pour les 4 mois où nous sommes restés ici. On va bientôt partir, hein, le 28. Hein. Le 28 avril. Donc ici, ça s'appelle Puerto Aventuras. C'est comme un village touristique fermé, avec des gardes à l'entrée, tout ça. Mm-hmm. Et puis, c'est vraiment très beau. C'est style un petit peu américain, là. Mais je suis sûre que si on ferait un vote, on leur dirait qui veut rentrer avec nous dans la valise. Ah oui, le hein? 28 avril. Oui. J'aimerais savoir ça. Mais il y en a beaucoup qui diraient, ben non, vous êtes fous, restez ici. Oui, c'est vrai, oui, oui. Mais on rentre, savez-vous pourquoi on rentre? Pour la famille, ben surtout. Oui, on va revenir pour la famille, ça. Sinon, on serait resté encore un mois de plus. Vu comment ça se passe au Québec en ce moment, avec toutes les restrictions, couvre-feu... Le nombre de cas, les variantes, tout ça, c'est fou. Hein? Ouais. C'est extraordinairement fou, je dirais, tout ce qui se passe là-bas. En France aussi, bien sûr, dans d'autres pays aussi. Mais, et, voilà. Et puis, on a deux contacts, deux personnes qu'on connaît qui vivent au Vietnam. C'est incroyable. Faites une petite recherche dans Google. Vous tapez COVID Vietnam et vous allez voir, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. J'en reviens pas. Il n'y a rien eu quasiment de toute l'année. Depuis l'année passée qu'elle le dit. Depuis le début, oui, c'est ça. Oh, mais c'est, tu dis, c'est Nadine. Oui, ben c'est Delphine. Delphine, non, Nadine. Ouais, bon, mais vous le voir. Notre Delphine. Notre Delphine, oui. Qui vit là-bas. Puis il y a aussi Pascal. Pascal, OK. Oui. Voilà, donc ben, on va faire un petit tour. On vous promène un petit peu. Oui, c'est moi qui conduis. On va répondre aux questions. Puis à la fin de la vidéo, on va vous mettre des images d'ici. C'est parti. Alors attention, je me tiens. Hein, non, une femme au volant, c'est bien. Voilà. Ah, bon, on y va? Voilà, okay. C'est parti. On va faire tourner ça vers là. Flasheur, hein, après ça, je sais pas si c'est ça, c'est les clignotants. Il n'y a pas de clignotants. On fait ça à gauche pour aller.
et encore à gauche. On va déstationner. Par chez nous, on dit on va parker la voiture. On va parker le char. Le char. Pas pire, non, on s'est bien rendu, chérie. Ils sont ouais. Ici. C'est bon. On n'est pas allé sur la forêt. Alors, nous voilà dans Puerto Aventuras. Ça, c'est la place qu'on va tout le temps, le soir. Oui. On vient marcher. Alors, ce qu'on va faire, ben, on va aller à un endroit... tranquille. On va aller à un endroit un petit peu tranquille pour répondre à vos questions. On va s'installer quelque part. Ben, il y a plein d'endroits ici, mais on va aller plus au bord de l'eau. Oui. Oh. Tout d'un coup qu'on verrait des dauphins. Oui, tout d'un coup qu'on verrait des dauphins. Mmh. Donc, on se rend là-bas. Nous revoilà. Là, alors, on marche. Alors, on a eu un petit spectacle de dressage de dauphins. Mm-hmm. C'est toujours agréable ici le matin. Là, ils font ben, ils entraînent les dauphins pour pouvoir faire les faire nager avec le public après. Là. Mm-hmm. Donc, ben, ils sont vraiment, on dirait des petits chiens. Hein, ah, oui. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce qu'on a su que c'était avant des dauphins? C'était quoi? Ben, c'est une sorte de chien, oui, effectivement, oui, chien c'est assez allongé. Ça. Il était sur quatre pattes, tout. Qui s'est transformé en dauphin. Oui. Mais ben, ça, c'est pas du jour au lendemain, non, là. il y a des millions d'années. Oui. Alors, ben, on va répondre à vos questions. On va juste avancer un peu parce que là, il y a du monde. Mm-hmm. Donc, on est vraiment dans le centre-ville de Puerto Aventuras. Mm-hmm. C'est beau. Au centre, c'est tous les restaurants. Et au milieu des restaurants, il y a tous les bassins avec les dauphins. Il y a aussi des otaries. Mm-hmm. Okay. Et des lamantins aussi. Il y a un bassin avec des lamantins. Donc, c'est vraiment agréable. Puis on va aller dans le coin des bateaux. On va aller vers le port de Plaisance. Mm-hmm. Et bon, alors, on y va avec les questions? Oui, on va commencer avec Régine. Bonjour, Régine. Bonjour, Régine. OK, elle avait une question vidéo, comment faire des couleurs vives en peinture? Oui. OK. Est-il possible, afin de rendre une couleur plus vive, de rajouter des pigments en poudre dans la peinture trop terne? Ben oui, effectivement. Autant vous pouvez créer et fabriquer votre propre peinture avec des pigments en poudre et votre liant, alors... On ne sait pas préciser si c'est à l'huile ou à l'acrylique. Non. Donc en acrylique, ben, on prend du médium acrylique et on mélange des pigments avec. En peinture à l'huile, ben, on prend de l'huile de lin et on mélange les pigments, tout simplement. Mais il faut le faire de façon très finement, il faut que ce soit broyé. Pardon.
Et donc, oui, à ce moment-là, vous pouvez très bien renforcer la couleur d'une peinture en ajoutant du pigment. Mais attention, ça va épaissir la peinture. Hein. Alors, peut-être que pour compenser donc son épaisseur, il faudra rajouter un petit peu de médium quand même aussi. C'est-à-dire, donc, si vous êtes en acrylique, peut-être rajouter un petit peu de médium acrylique. Et si vous êtes en peinture à l'huile, il faudra peut-être ajouter aussi un petit peu d'huile de lin. Voilà, c'est tout. Mais sinon, ça, c'est vrai que c'est efficace. On va laisser passer l'hélicoptère. Commence à faire chaud. Oui, très chaud. Bon, on continue avec Joanne Lajoie. Bonjour Joanne. Bonjour Joanne. Elle aussi, c'est la même chose, comment faire des couleurs vives en peinture. Elle dit, j'ai trouvé une très grande toile qui a déjà eu une peinture de fête dessus. Qui est dans la différence des tons vert, bleu et jaune. C'est un dessin abstrait. Est-ce que je peux ajouter d'autres couleurs par-dessus et ajouter mon propre dessin comme des formes de rose pâle, comme des contrastes complémentaires et de valeur sur la toile? Alors, sur la toile, il n'y a pas de texture. Donc, je ne sais pas si c'est de l'acrylique. Oui. Ça, c'est le problème. Ce n'est pas tellement est-ce que vous pouvez peindre dessus. Oui, il n'y a pas de problème pour peindre dessus. Rajouter les couleurs que vous voulez, transformer le tableau. Le véritable problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a eu comme peinture pour pouvoir peindre dessus sans qu'il y ait un risque de détérioration dans le temps. Donc, si c'est de la peinture acrylique qui est en dessous, il n'y a aucun problème pour continuer à travailler dessus, pour le faire en peinture acrylique. Mais vous ne pouvez pas le savoir. Elle est peinte depuis quand, cette toile-là? Mm-hmm. Elle a combien d'années de peinture ou de mois, je ne sais pas. Donc, partez du principe que, dans le doute, si jamais c'était de la peinture à l'huile en dessous, il vaut mieux revenir dessus avec de la peinture à l'huile. Ouais. Donc, si vous ne savez pas si c'est de l'huile ou de l'acrylique, revenez seulement avec de la peinture à l'huile. Si vous savez qu'elle est sèche depuis très, très, très longtemps, depuis plus qu'un an, là, vous pouvez y aller et repartir avec la méthode gras sur maigre. Commencez avec du maigre, puis vous montez le gras, votre peinture à l'huile de plus en plus grasse. Mais dans le doute, il vaut mieux continuer avec de la peinture à l'huile. Et vous? Ah, il est là, oui. Coucou les pélicans. OK, on continue avec Geneviève Lefebvre. Bonjour Geneviève. Bonjour Geneviève. Elle, c'est sur la vidéo de samedi passé. Ah, OK. OK, elle dit, j'utilise le blanc de titane de chez Dalbe. Je trouve qu'elle est dure, difficile à diluer. C'est à l'huile. Existe-t-il une autre marque plus facile? Alors, vous voyez, Dalbe, je ne connaissais pas. Alors, je me suis informé, je suis allé voir sur Internet. Et puis, c'est un commerce, c'est un magasin qui vend sur catalogue, en ligne, des produits d'autres marques. Et ces produits de la marque Dalbe aussi. Je ne connaissais pas du tout. Donc, est-ce que c'est un fabricant? Est-ce que c'est un commerce qui met sa marque sur des produits fabriqués par d'autres compagnies? Je ne le sais pas. Mais c'est sûr que le blanc de titane, à la base, c'est une peinture assez épaisse. Et si vous avez du blanc de titane aussi dans d'autres marques, PBO, Winton ou autre, qui commence à dater un petit peu, elle est très épaisse aussi, difficile même à utiliser. Pour avoir un blanc de titane de qualité plus fluide, plus facile à utiliser, il faut aller dans les gammes plus chères. Prenez du blanc de titane chez Rembrandt, vous allez voir, waouh, vous allez trouver ça très très agréable parce qu'il est très, très huileux. Chez Sennelier, peut-être même le Frambourgeois aussi. Mais c'est sûr que si vous restez dans les gammes, donc ce qui veut dire que Dalbe, ça serait une gamme de, on va dire, d'entrée de gamme, un peu comme la Winton, la PBO. Alors sinon, ben, vous avez chez Winton, je l'ai déjà dit, je le répète, un blanc mélangé titane et zinc qui est très très bon, qui est très fluide, très huileux. On appelle ça le Soft Mixing White. Donc c'est un blanc mélangé. Et puis il est vraiment très 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 agréable à travailler. Voilà, donc moi je vous conseillerais de prendre ce blanc-là, le blanc mélangé de chez Winton, de Windsor & Newton. OK, encore. Il y a un peu de vent ici. Mais oui, moi je pense que ça fait du bien, il fait tellement chaud. Dis-moi que nos micros soient bons. Oui, du moins qu'on ne s'envole pas, mais je pense pas à la pesanteur qu'on a qu'on va voler, là. Comme la sœur-volante, connaissez-vous ça? Sœur-volante? Non, c'est un feuilleton américain, ça, c'est vrai. Ah oui. OK, on continue avec Sylvie Manque. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Elle dit, si l'on peint une grisaille, elle marque entre parenthèses, sujet en nuances de gris, et non, gris noir et blanc, oui. Peut-on mettre de la couleur seulement avec des glacis? Ben oui, absolument. C'est un peu ce que j'ai fait. Les roses. Oui, c'est ça, les roses, exactement, les roses mauves.
Attends un petit peu, on en a fait d'autres aussi. Ah oui, dans la formation en ligne, le glacis, la peinture glacis, la fleur. Mon Dieu, ça c'est un des premiers qu'on a fait dans la formation. Ah, comment ça s'appelle? Ah. C'est pas drôle de vivre. Hein? Ah, c'est une fleur là, tu sais que. Une marguerite? Non, c'est exotique, on en trouvait ça. Au... Ah, une orchidée. Une orchidée. Hey, ouais. Bingo! Oui, c'est ça, une orchidée. Dans le tableau est tout fait en noir et blanc. Mm. Vraiment avec de la peinture noire et de la peinture blanche, tout en gris. Et après, bah, on vient avec les couleurs en glacis seulement. Mais attention, étant donné qu'on va monter les couleurs en glacis, ça va assombrir le tableau. Donc il faut penser, quand on fait ça, que le noir et blanc, vous devez le garder toujours plus pâle. Attention, toujours plus pâle, c'est important. On l'a fait aussi avec les roses oranges et la rose rouge. Mm-hmm. Dans la formation à l'huile et à l'acrylique aussi, c'est pareil, le même principe. Mm-hmm. Oui, oui, donc toute cette technique-là, je la montre dans plusieurs cours dans la formation, autant en l'huile qu'en peinture acrylique. Donc c'est très faisable, oui. Bon, on continue avec Chantal Revaux. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Pourquoi doit-on choisir une toile en lin plutôt qu'en coton? Je n'ai pas vu de différence dans le rendu en peignant à l'huile ou à l'acrylique. Alors, faut pas dire qu'il faut choisir le lin plutôt que le coton. On peut très bien peindre sur du coton. Moi, je peins que sur du coton. Ça m'est arrivé très occasionnellement de peindre sur du lin. Mais normalement, voilà, la toile de lin est de meilleure qualité. Normalement, la toile de lin est beaucoup plus lisse. Le grain est moins fort. Elle est plus douce pour peindre. La trame est beaucoup plus serrée, donc c'est une, généralement elle coûte beaucoup plus cher et c'est une toile qui est de meilleure qualité à cause de ça et qui permet de peindre mieux. Ce sont des toiles normalement avec châssis de meilleure qualité, elles sont super bien tendues, elles ont été faites avec, ben c'est ça, avec plus de surveillance que des toiles coton ordinaires qui sont fabriquées à la chaîne, en usine, à très grande vitesse. C'est ça la différence. Et l'autre différence qu'il faut savoir, c'est que une toile de coton, le coton peut moisir s'il est stocké à l'humidité. Une petite seconde, je reprends mon souffle. La toile de coton, lorsqu'elle est, admettons, vous la stockez dans une cave et puis il y a eu un dégât d'eau, une petite inondation, vous n'en êtes pas aperçu, ben, elle peut moisir, il va y avoir des taches noires. Elle va se détériorer, alors que le lin ne moisit pas. Voilà. À l'origine, les toiles de coton étaient utilisées par les artistes peintres aux États-Unis, sur le continent américain, parce qu'il y avait la culture de champs de coton. Alors que le lin, lui, c'était plutôt en Europe, en France, parce que le lin était cultivé aussi en France. Donc c'était les fibres textiles qu'ils utilisaient parce que c'était sur place qu'elles étaient faites. Voilà. On pourrait s'asseoir là. Hein? On peut s'asseoir là. Oui, on va pouvoir s'asseoir un petit peu. Alors on montre un petit peu où on est rendu ici. On est à l'entrée du canal où les bateaux de plaisance passent pour aller dans le port. Mm-hmm. Voilà. Et là-bas se trouvent les plages de Puerto Aventuras avec le Beach Club. C'est bon? Et bien sûr, ce sont les appartements, les condos, les gens qui habitent ici. C'est très chouette ici, c'est vraiment beau. Tiens. Et l'eau est claire. Oup. Allez, tiens. On va s'asseoir. Ça va être mieux. Bon, on continue avec Christian Bâtard. Bonjour Christian. Bonjour Christian. Sur une toile peinte à l'huile, grand sommeil à l'huile de lin, et après avoir passé un vernis à retoucher, peut-on la reprendre en utilisant de l'alkyd par-dessus? Ou doit-on continuer à l'huile de lin? Ça, c'est sa première question. Oui, ben, forcément que si elle a été peinte avec le gras sur maigre, mm-hmm. À l'huile. Combien de temps avant, on ne le sait pas? Non, ils ne disent pas. Ils disent pas. Si elle était peinte avec le gras sur maigre, et vous savez que le temps de séchage complet peut prendre 6 mois à 1 an. Donc si vous revenez avec de l'alkyde dessus, vous allez empêcher ce séchage en dessous parce que l'alkyde, lui, va sécher très vite en surface. Puis c'est pas sûr qu'il va laisser passer l'oxygène pour continuer à oxyder la peinture à l'huile qui est en dessous et ça pourrait générer des problèmes et ça pourrait craquer votre peinture dans le temps.
Donc, si vous avez commencé avec le gras sur maigre, moi, je dirais qu'il faut continuer avec le gras sur maigre. Si vous voulez y aller avec l'alkyde, c'est du début jusqu'à la fin de la réalisation du tableau pour être certain que le temps de séchage va être régulier et l'alkyde va sécher très vite. On le sait, 48 heures, c'est sec. Donc, c'est pour ça que j'irai avec cette... Je continuerai avec le gras sur maigre, oui. OK. Il y avait une deuxième question. Ça, il avait posé ça pendant qu'on était malade. Fait que oui. C'est ça, il me dit que, René, j'avais demandé, avant que les soucis qui vous sont arrivés, comment peindre une petite tête blonde, Chantin Clair. J'ai du mal avec les cheveux de mon petit-fils. Tu avais parlé d'une démonstration, une vidéo. Oui, oui, je me rappelle, oui, j'avais dit ça, mais bon, j'ai pas encore eu le temps de faire ça, là. C'est sûr qu'on en a beaucoup, beaucoup à faire tout le temps. Puis, comme je disais aussi, cette démonstration, elle existe déjà dans la formation « La peinture, c'est facile », dans le cours « Le portrait ». Ceux qui ont acheté le cours « Le portrait », ils ont « Comment peindre les cheveux, les frisés, les raides, les blonds, les roux, les bruns ». J'ai montré tout ça déjà dedans. C'est un petit peu embêtant de faire un doublé comme ça parce que les gens vont dire « Ouais, mais moi, j'ai acheté la formation, j'ai acheté le cours de portrait, puis là, vous le donnez gratuitement dans YouTube. Ouais. » C'est un petit peu embêtant. Mais j'ai une idée, Christian. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner pour un essai. Oui, vous n'êtes pas obligé de continuer, là. Voilà, exactement. Vous pouvez vous abonner à la formation « La peinture, c'est facile ». Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Mais allez chercher un chien. Et vous inscrivez pour 7 jours gratuits, forfait basique mensuel. Vous ne payez rien. Oui, vous allez voir ce cours, puis après, vous annulez votre forfait. Oui, mais dis-y, hein, il demande tout le temps une carte. Pourquoi? Oui. Oui, ben ça, il faut une carte bancaire pour s'inscrire. Pourquoi? Parce que sinon, on aurait des dizaines de milliers de curieux qui seraient là-dessus. Donc, il faut qu'il y ait quand même un engagement pour limiter ça. Sinon, ça serait ingérable. On aurait des dizaines de milliers de personnes à laisser pendant 7 jours. Et puis après, il faut répondre aux emails, et gérer ceux qui n'ont pas reçu leurs identifiants et tout. Ça deviendrait de la folie. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment une carte pour s'inscrire. Et comme ça, l'engagement est pris des deux côtés. Mais c'est sans engagement. Non, c'est ça. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Pas de problème. OK. C'est ça, c'était sa question. OK, on continue avec Philippe Giverneau. Bonjour, Philippe. Bonjour, Philippe. Lui, c'est sur... lui, il donne une idée. C'est vrai. Ah, une oui, idée, il bon. Donne une... excusez, il donne une idée à celui qui avait posé la question sur le brouillard. Tu te rappelles oui, la semaine passée? Oui. Bon. Bien, il dit lui-même, il dit pour Jean-Philippe. C'est comique, Philippe, et pour Jean-Philippe. Ben oui. Il dit, je travaille le brouillard ainsi que la fumée avec la technique du frottis. Pinceau dur, on travaille à plat, de manière circulaire, avec très peu de peinture à sec ou pratiquement sans médium, de façon à laisser la couche du dessus visible par endroits. J'obtiens de très bons résultats. On peut aussi passer le doigt sur la peinture par endroits pour créer des effets. Oui, c'est vrai, exactement. Une autre idée, mais je pense que c'est ça. Hein? Ben oui, en fait, dans la formation, il y a, dans les bases, il y a comment peindre de la fumée. Et c'est exactement cette méthode que j'utilise. Pareil, c'est ça. Oui. Ben, merci beaucoup, Philippe. Oui, merci, Philippe. OK, on continue avec Christina. Bonjour, Christina. Bonjour, Christina. Elle est nouvelle sur notre chaîne. Mais bienvenue. Oui, bienvenue, oui. Nous essayer, c'est nous adopter. Je pense qu'il y en a plusieurs qui nous ont adoptés aussi, là. Bien, 70 200. Oui, c'est ça. Avec vous, ça fait 70 201. OK. Votre aura sur la peinture, les couleurs, m'a ébloui. Ah. Je vais m'y mettre. Le problème, c'est que j'ai du mal avec la mise en page de dessin grand format. Oui. Par exemple, sur un cadre plus petit. Comment faire les proportions d'un à l'autre? Oui, ben l'idéal dans ce cas-là, c'est d'utiliser la technique de la mise au carreau. Mm-hmm. La mise au carreau, ça vous permet de mettre une petite photo sur une grande toile comme une grande photo sur une petite toile. Ça fonctionne dans les deux sens. Et donc, vous cherchez dans la chaîne YouTube, cette chaîne-là, vous tapez René Milon, mise au carreau, puis vous allez voir, il y a la démonstration. Et vous allez trouver que c'est simple, c'est facile. Attention toujours au début, vous allez le voir aussi, de bien prendre en compte le ratio de la photo versus le ratio de la toile, ratio longueur-largeur. Okay? Il faut que le ratio longueur-largeur soit identique sur la photo et sur la toile. Donc il y aura un petit recadrage à faire peut-être, soit sur la photo, soit sur la toile. Vous allez voir ça dans la vidéo de la mise au carreau. OK, on continue avec Jean. Couteperoumal. Jean, on va dire Jean. Bonjour, Jean. Des fois, je vais dire seulement les prénoms parce que j'ai peur de les vous. Les pseudonymes sont longs des fois. Oui, puis j'ai peur d'être décomposé. OK, lui, c'est sur la vidéo Les harmonies colorées. OK. Bonjour, j'ai une question.
La nature était toujours en harmonie colorée? Ben par non. Exemple, ma montagne gris, ciel, bleu, vert, forêt. Ben non, pas toujours, effectivement. Ou, c'est pour ça qu'il faut qu'on interprète. Je me rappelle un de mes tout premiers tableaux, c'était une aquarelle que j'avais faite d'après une photo que j'avais prise dans les Alpes, et au col de l'Arche, si vous connaissez col de l'Arche dans les Alpes de Haute-Provence. Donc j'avais fait cette photo, puis à la maison, j'avais voulu faire une aquarelle. Il y avait du ciel bleu, la forêt verte, les rochers gris, de l'herbe verte. J'avais peint ce tableau comme je le voyais. Il y avait un petit pont avec un ruisseau, puis le pont était en vieux bois qui était devenu gris. Et j'avais fini ce tableau, et puis j'avais une amie à l'époque qui était, son métier c'était restauratrice de tableaux. Et puis elle avait vu mon tableau, elle avait dit « Oh mon Dieu, c'est froid !» J'étais un petit peu vexé. J'étais très débutant, et puis après coup, ben, je me suis dit « Ouais, c'est vrai, c'est vraiment froid !» Et c'est là où je me suis dit « Ben voilà l'exemple vraiment d'un tableau qui n'a pas été interprété, où on a essayé de copier le plus fidèlement possible la photo, et c'est ce qui a donné quelque chose avec des harmonies complètement affreuses. » Donc effectivement, il faut interpréter, il faut rendre au tableau une harmonie colorée plus belle que ce qu'il y a sur la, si vous voulez, sur votre photo ou dans la nature. Il faut la faire vivante. Attention, selon le cas. Oui, mais il faut la faire vivante. Oui, c'est ça, ben, c'est ça, exactement. Il faut... C'est trop terne, ça, c'est pas vivant. C'est... Je le dis souvent quand on fait de la peinture, si vous avez, ici on est à la mer, un ciel bleu, la mer bleue, et si vous n'avez pas des rochers ou du sable qui vont venir, on va dire, harmoniser ces couleurs-là, ça va être tout du bleu. Fait que vous allez avoir un tableau tout bleu. Il va falloir compenser quelque part. Et c'est là où, la plupart du temps, moi, ce que je fais, ben, je commence avec une couche de fond orange, ou rouge-orangé. Je laisse sécher, puis après, je commence à peindre. Et cet orangé, on va le voir transparaître un petit peu à travers le bas du ciel, les nuages. Volontairement, on ne le couvre pas complètement aussi. Ce qui va permettre d'harmoniser le tableau, vraiment d'harmoniser. Okay. C'est comme ici, par exemple. Bon, ben, ah ben, c'est trop beau. C'est trop beau régal. Ici, par exemple, les rochers en face, là, ben, j'accentuerai leur côté brunâtre, orangé. Il faudrait toujours, puisqu'on a beaucoup de bleu, le ciel bleu et l'eau est bleu-verte, hein, donc il faudrait du rosé, il faudrait de l'orangé. Donc il ne faut pas se gêner pour rendre les rochers pas gris, mais vraiment plus bruns. Et puis avec des reflets dans l'eau aussi, des choses comme ça. Il faut trouver le moyen d'arranger les harmonies tout le temps. OK, on continue avec Lise Ouellette. Bonjour Lise. J'ai un médium cicatif. Est-ce que ce produit peut remplacer le liquin? Non. Non, puis est-ce que j'aurai le même résultat? Non. Non, pourquoi? Parce que le médium cicatif, c'est un médium qu'il faut utiliser à la goutte. On en met très, très, très peu, sinon il y a un risque que la peinture craque. Ça va sécher très vite, mais elle va craquer. Tandis que le liquin, c'est un produit qui est fait pour utiliser en grosse quantité avec un petit peu de peinture dedans pour faire des glacis. Vous comprenez la différence? Donc non, ça ne peut pas remplacer le liquin. Il faudrait vraiment que vous ayez le liquin pour faire des glacis, le médium cicatif juste pour accélérer le séchage de la peinture sans faire forcément des glacis avec. Voilà. Par contre, ce que vous pourriez faire, alors la peinture à l'huile... Pardon, j'ai encore un chat. La peinture à l'huile, lorsqu'on veut l'utiliser pour faire des glacis, on va mettre beaucoup d'huile de lin, un petit peu de peinture, on est d'accord? Et à ce moment-là, dans ce mélange beaucoup d'huile et un petit peu de peinture, si vous voulez accélérer le séchage, vous mettez une goutte ou deux de votre médium cicatif. Là, ça va fonctionner. Vous allez vous retrouver avec la texture d'un médium fluide comme on le faisait à l'époque, sans le liquin. Sauf que vous allez avoir une accélération du séchage par votre médium cicatif. Et comme ça, vous pouvez l'utiliser aussi. Mais faites très attention à la quantité. Hein. Quelques gouttes seulement, quelques gouttes, sinon ça va craquer. Ça va sécher trop vite et ça va craquer. Non, le chat, il rentre chez moi. Oui, il y a des chats par ici. Hein. On fait attention parce qu'il y a des poissons, le chat, il va sortir. On pourrait tomber dans l'eau, hein. Regardez, on est juste au bord. OK, on continue avec Françoise Bédard. Bonjour Françoise. Bonjour Françoise. J'aimerais beaucoup suivre les cours sur la réalisation que vous faites en glacis de la Joconde. Par un heureux hasard, je suis tombée sur votre vidéo où vous parliez de copies de maîtres, dont la Joconde. Oui. Cela a été mon premier contact avec vous. Ça m'a donné la piqûre pour les autres formations. Bien, nous aussi, on aimerait beaucoup que vous fassiez la Joconde. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Oui. Donc, il vous suffit de suivre le cours « Peindre à la manière des grands maîtres ».
qui est disponible dans la formation. Si vous êtes dans la formation, il est dans les pas à pas, peindre à la manière des grands maîtres. Sinon, si vous n'êtes pas dans la formation, vous pouvez vous inscrire à la formation, comme on l'a dit, la période d'essai. Vous pouvez aussi acheter le cours peindre à la manière des grands maîtres, dans lequel il y a la Joconde. Et d'autres cours vont se rajouter. Je sais qu'on m'a demandé encore du Monet, peindre à la manière de Monet, Monet Antibes. On m'a demandé peindre à la manière de Dali. C'est sûr. Des peintres russes aussi. On va en faire, mais ça sera quand on sera de retour au Québec, dans notre studio, parce que là, c'est des tableaux que ça va être très long à faire. Voilà, donc j'ai besoin d'un peu plus de confort au niveau du matériel, surtout. Il y a beaucoup de cours comme ça qui vont reprendre dans la formation, qui vont être ajoutés à partir de... Ben, on va commencer ça début mai. Voilà, début mai, ces tournages-là. Et puis voilà, donc ne manquez pas ça. Non. On finit par Amina. Bonjour Amina. Je vous ai déjà posé une question sur votre palette et je souhaite s'il vous plaît une réponse. Quel gris avez-vous utilisé sur le verre de la palette? J'ai essayé l'acrylique, mais quand j'ai lavé, bien sûr, c'est parti. Je souhaite avoir une comme la vôtre. Oui, super. Excusez. Très bonne question. Alors, cette palette en vitre que vous voyez en verre, qui grise en dessous, je l'ai utilisée pendant très longtemps. Je l'ai toujours, d'ailleurs, je pourrais m'en servir. Mais là, je passais à d'autres choses plus pratiques, plus faciles. Mm-hmm. Alors, comment j'ai fait ça? Ben, j'ai fait un gris en peinture, là, en faisant mon mélange toujours de bleu outre-mer et de terre d'embrûlée. Quand j'ai eu un gris neutre, que je l'ai trouvé assez neutre, j'ai peint le dessous de ma palette en verre avec ça. J'ai laissé sécher complètement, j'ai mis deux couches, ou peut-être trois. Et quand c'était bien, bien, bien sec, et ça c'est le plus important pour pas que ça s'efface, j'ai appliqué au moins trois couches de vernis acrylique. Alors le médium est vernis, vous savez, de Liquitex, là, ce vernis épais là quand même. Là. Épais c'est liquide, mais c'est la texture un petit peu... C'est pas liquide comme de l'eau là. Non, c'est plus épais. Mettez une couche, laissez sécher, deuxième couche, laissez sécher, troisième couche, laissez sécher. Et là, ça a vraiment fait une protection durable qui fait qu'elle ne s'est jamais abîmée. Ça n'a jamais enlevé le gris en dessous. Mais ça, c'est en dessous. En dessous, oui. Oui, parce que j'espère qu'elle ne disait pas non plus sur le dessus. Non, c'est en dessous, oui, ouais, c'est ça. Parce que sur le dessus, oubliez ça. C'est du verre, c'est transparent, donc tu peins le gris en dessous. C'est ça. Tu le protèges avec du vernis. Et voilà, après tu tournes ta palette, elle est à l'envers, donc tu as la vitre propre pour faire tes mélanges, ça se nettoie très très bien, c'est pratique, oui. Et c'est gris en dessous. Et la palette que j'ai achetée, c'est de Day Tripper, là, elle est en plexiglas, mais elle est grise, elle est peinte en gris en dessous aussi. Ah, ok. Mais comme elle est collée dans une boîte en bois, ça ne bougera pas, ça ne partira jamais, c'est juste plexiglas, mais ça sera bien protégé. On a fini avec les questions? Oui, on a fini. C'est super. Mais vous savez ce qu'on va faire? Oui. Oui. Dis-moi. Je voulais leur dire, on s'en va demain à une excursion, puis on va vous montrer des belles images aussi. Mais peut-être pas pour ce samedi ici, mais pour la semaine prochaine. Oui, hein? Demain, on va aller à une excursion, s'il fait beau, bien sûr. Oui, s'il fait beau. On vous mettra des images aussi la semaine prochaine. Là, d'abord, ce que je voulais aussi, c'est vous remercier énormément pour tous les commentaires que vous avez mis, les partages que vous avez mis sur la vidéo de mercredi. C'est très touchant tout ce que vous avez mis. Oui, et puis, je pense que pas mal tous les membres qui ont vu, tous les abonnés qui ont vu ces témoignages-là ont été touchés aussi. Il y en a qui l'ont dit. Puis c'est vraiment, vraiment des beaux témoignages. Puis c'est sûr que nous aussi, on a été très touchés par chacun de vous. Et puis, voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, n'a pas oublié toujours de mettre des likes. Oui, mettez des likes sous nos vidéos. On est fatiguant avec ça, hein? Oh, oui, ben c'est bien. Là, c'est ça comme je dis que... Ah ouais. Alors, les trois ou quatre qui mettent des pouces en bas, on voudrait avoir votre nom, s'il vous plaît. On voudrait savoir c'est qui. Non, on voudrait savoir pourquoi les pouces en bas. Ça serait bien, ça. Pourquoi vous mettez des pouces en bas? Ben, ils ne mettent pas dans les commentaires, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Alors voilà, on continue à vous dire que vous êtes très important pour nous. Vous êtes une famille pour nous. Oui, on vous adore et puis on essaye de vous partager des belles choses. Je sais que beaucoup de gens sont encore confinés. Mm. On nous a même dit en Belgique qu'il y a eu de la neige, pas en Belgique, en France aussi. Ouais. Vous avez eu de la neige et puis nous ici, on est au grand soleil. Alors on essaye de vous en faire profiter. Mm. Et toujours pareil, n'oubliez pas dans les liens, dans la description, il y a des liens pour télécharger nos documents gratuits, e-book, les fiches couleurs. On essaie de tous les mettre en dessous. Et puis voilà. Donc, Puis moi, j'ai commencé à peindre. Oui, elle a commencé à faire le tableau de Léo. Oui, de Léo, parce que c'est un petit garçon ici qui me touche vraiment, là, il y a 7 ans. Puis c'est ça, j'ai commencé. J'ai demandé à sa maman qu'est-ce qu'il aime. C'est des mignons.
Et qu'elle peigne des mignons. Ils peignent des mignons. Ben oui. Ah, mais ils sont beaux. C'est tout mignon. C'est tout mignon. Je vous montrerai quand j'aurai fini. Alors, on vous dit à très bientôt. À bientôt. Mercredi pour la vidéo du mercredi, samedi pour tous les deux. Et puis, ben, on vous met quelques belles images de Puerto Aventuras. Bisous. À bientôt. Bye bye. Bye, bye.